Je suis le Mousse Milo, j'ai 17 ans et je suis en formation à l'école des Mousses à Brest. Les quelques dernières années que j'ai fait avant l'école des Mousses, j'étais en apprentissage en Belgique, plus particulièrement en apprentissage parc et jardin. Donc l'académique, c'était pas trop ma tasse de thé, donc j'ai plutôt voulu me tourner vers un engagement militaire qui est une volonté depuis que je suis petit. Donc je me suis plutôt intéressé à l'école des Mousses depuis mes 14 ans et j'ai fait toutes les démarches jusqu'ici pour essayer de m'y intéresser. Pour quelqu'un qui savait pas les faire, tu t'es voué? Dès que je suis arrivé, en fait, ma première impression, ça a été la grandeur du lieu. C'est chargé d'histoire, par exemple, on peut s'en rendre compte dans le salon Richelieu, où donc je pense qu'il y a eu plusieurs promotions qui sont passées avant nous. Donc c'est un lieu chargé d'histoire, que ce soit pendant la Seconde Guerre mondiale, et où les cadres et le lieu correspondent très bien à nos attentes. Bonne journée les Mousses! Bonne journée, commandant! La formation dure 10 mois. On a beaucoup de maritimes, beaucoup de militaires, mais principalement de l'académique. Tous les corps contiennent de la vapeur d'eau. À travers ma volonté de vouloir faire fusiller, bien évidemment, c'est le côté militaire, ce que je recherche avant tout. Parce que comparé à toutes les spé qu'on peut retrouver au sein de l'école des Mousses, c'est celle qui pour moi se rapproche le plus du fantassin, donc le fusil. Quand on sait marcher en rang, quand on sait chanter, et que comparé à d'autres compagnies, on se démarque par notre sérieux et par l'ordre serré qu'on réalise. C'est une certaine fierté. Égaleront celle de nos anciens. Et même si au début, en venant ici, on n'a pas des valeurs concernant la patrie, on va très vite les acquérir parce que c'est une fierté. Mes projets en tant que fusilier marin, c'est de viser comme la plupart le stage commando. Et même si le stage commando vient à ne pas marcher, il y a d'autres alternatives comme le GESIM ou d'autres formations.